Salut à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, je laisse venir ce qui vient, et cette fois-ci, donc la thématique va concerner les personnes qui ont, on va dire, un certain nombre de capacités, qui ont des ressentis sur des choses que les autres ne voient pas forcément. Vous voyez un petit peu tout ça. Et donc aujourd'hui, je suis amenée à vous parler de ça. Apparemment, il y a plusieurs choses à vous transmettre. Déjà, la première chose, c'est qu'actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui reconnectent à ce type de capacité, d'accord? Ces capacités qu'on dit souvent, enfin, on les intitule, on va dire, médiumniques. Vous voyez, tout ce qui concerne la médiumnité, tout ce qui concerne les canalisations, tout ce qui concerne une certaine sensibilité, une fréquence de guérison, une fréquence de soins, enfin, vous voyez, plein de choses, en fait, hein. Ça va être très large au niveau de ce qu'on peut englober. En tout cas, par rapport à ces personnes-là, donc ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, donc de plus en plus de personnes reconnectent à ça. Il y a certaines personnes parmi vous à qui ça fait peur. Voilà ce qu'on me transmet. Ça fait peur parce que vous avez l'impression de ne plus vous reconnaître. Vous avez l'impression qu'il vous arrive des choses que jusqu'à présent vous auriez même considérées pour certains comme anormales, on va dire, ou inadaptées, ou un petit peu qui concerne une minorité où vous n'étiez pas forcément sensible sur ce genre de thématique, vous voyez, hein. Il y a vraiment pour certaines personnes parmi vous comme un virage qui se fait où à un moment donné de votre vie, vous n'étiez pas du tout dans ces énergies-là, même ça ne vous intéressait pas vraiment, voire vous auriez critiqué pour certains. Et là, vous êtes sur autre chose, vous commencez à vous poser des questions, vous commencez à vous interroger parce que vous-même, vous avez certains ressentis, vous avez perçu des choses à certains moments et ça commence à vous interroger. Et malgré tout, il y a cette peur un petit peu qui vous amène un petit peu à résister à tout ça. Vous voyez? Ça, je vous sens un petit peu comme ça, vous voyez? On se renferme, on n'est pas trop tranquille et en même temps, on ne sait pas où on va. Donc ça laisse des inquiétudes en fait remonter et parfois vous submerger. Donc moi, la première chose que j'ai à dire pour vous, si vous vous sentez concerné par ces phrases, c'est, bah, je suis là pour vous rassurer en fait, hein, en un sens, donc vous rassurer. Ce qui se passe là, c'est normal. De plus en plus de personnes s'éveillent à ça. C'est dans un processus actuellement ascensionnel en fait, hein, au niveau de la Terre. Et vous allez petit à petit prendre confiance en vous. Vous allez petit à petit apprivoiser un petit peu ces capacités pour vraiment vous sentir plus à l'aise, on va dire. D'accord? Pour ça, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, n'oubliez pas, pour ceux qui débutent, qui vraiment, voilà, tout ça, ça paraît vraiment énorme d'entrée. N'oubliez pas de vous recentrer dans quelque chose de positif au niveau émotionnel. Et aussi, alors ça, c'est un exercice qu'on voit souvent, mais ça peut vous parler à certains, donc il faut que je le transmette. Mais c'est vraiment l'idée aussi de créer autour de vous, en visualisation, comme une bulle de protection, soit en visualisation, soit en ressenti. Et ça va vous permettre, ça va vous aider à vraiment rester dans des bonnes fréquences, dans des fréquences justes. Parce que parfois, effectivement, beaucoup d'entre vous en ont très peur. On peut être parasité, effectivement, par certaines énergies qui vont vibrer plus bas et qui bah, vont percevoir en vous une forme de, oui, d'énergie différente et donc vont être un petit peu attirés par vos vibrations. Donc le fait de poser ce cadre, le fait de faire cette bulle énergétique autour de vous, en visualisation, en ressenti, le fait de demander de l'aide intérieurement, quelles que soient vos croyances, juste je demande à être aidé pour être guidé, protégé, soutenu, pour rester dans de bonnes vibrations, ça peut vous aider apparemment. D'accord? Donc bulle de protection, demander de l'aide à l'intérieur de soi, dépasser ses peurs aussi et accepter que vous allez petit à petit apprivoiser ces nouvelles capacités. Pour d'autres, parmi vous, c'est différent. Il y a des personnes parmi vous qui, eux, ont reconnecté à ça il y a, on va dire, longtemps, parfois même pour certains parmi vous, de nombreuses années. Et par contre, ce que vous ressentez actuellement, c'est comme un changement de fréquence. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez conscience de choses dont vous n'aviez pas conscience avant. Ou alors ça va plus loin en termes de ressenti, en termes de capacité. Donc ça aussi c'est normal, on est vraiment sur une évolution actuelle pour aller de plus en plus loin dans ce domaine-là, pour aller de plus en plus vers des connexions, vers des canalisations voilà, de justesse, de transmission de messages pour aider le collectif aussi, pour aider un maximum de personnes à s'éveiller en fait en conscience, à aller un peu plus loin pour vibrer, on va dire, plus haut et aller plus loin donc en termes de fréquence et dans ce qu'on est venu faire sur Terre, tout simplement. D'accord? Il y a un troisième type de personnes parmi vous. Donc là, j'ai écrit, on va dire, deux profils différents. Le troisième type de personnes parmi vous, c'est des personnes qui, eux, par contre, sont clairement très, très éveillées sur un chemin d'éveil où vous vous sentez pleinement dans votre mission, tout simplement. Dans votre mission, où vous êtes vraiment dans les fréquences, où vous sentez que c'est votre place et vous vous y sentez très bien.
Sachez que c'est juste, mais sachez aussi que ça va peut-être continuer là aussi d'évoluer pour aller encore plus loin, et c'est normal, ok? Voilà, donc ça, vous voyez, je vous ai décrit un petit peu trois types de profils, donc les personnes qui démarrent, qui découvrent un petit peu tout ça, les personnes qui ont déjà démarré il y a plusieurs années et qui vont encore plus loin, et les personnes qui sont vraiment à leur place, déjà en pleine capacité, vraiment qui sont très éveillées, mais qui vont aller encore plus loin. Et j'ai un message à vous adresser à chacun d'entre vous aujourd'hui. Pour la première catégorie de personnes, les personnes qui démarrent, la priorité va être dans l'acceptation. Accepter tout ça, accepter ben, vos peurs aussi, accepter de ne pas maîtriser tout ce qui se passe, accepter d'avoir une certaine part de nouveauté et de joie à découvrir tout ça. Voilà, ça c'est pour vous, c'est très important et je vous transmets vraiment ça dans les énergies aujourd'hui. D'accepter, accepter. D'accord? Pour les deuxièmes personnes, les personnes qui depuis des années donc ont des connexions, tout ça, vous en avez conscience et vous continuez d'avancer, la priorité pour vous va être de vous ancrer dans la matière maintenant. C'est-à-dire que vous avez déjà démarré un certain nombre de choses dans ce domaine. Maintenant, la priorité est à l'ancrage, ancré dans la matière, ancré dans vos actions, ce que vous êtes venu faire sur Terre, d'accord? Et surtout, n'ayez pas de doute sur le fait que parfois, ça va passer par un certain tri, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, je crois, mais vraiment un certain tri dans votre entourage, dans vos possessions, dans vos activités. Enfin, vraiment, ça passe aussi par tout ça pour s'aligner pleinement et aller vraiment ancrer dans la matière ce que vous êtes venu faire sur Terre. D'accord? Ça, c'est votre priorité à vous. Pour les troisièmes personnes, les personnes qui sont déjà bien en place sur leur chemin, qui sont vraiment dans leur mission, là, je vais vous transmettre encore un autre type de fréquence dans les messages, qui va être celui de l'ascension, celui d'aller encore plus loin en termes de fréquence, de vibration pour vibrer encore plus haut. Et ça, ça va passer par une canalisation maintenant qui vous est adressée. Et c'est notamment le cas pour les personnes qui sentent qu'ils viennent d'ailleurs, on va dire, d'accord? Qui vous sentez connecté sur d'autres plans, sur d'autres planètes, vous sentez un petit peu dans tout ça, mais vous en avez même pour certains pleinement conscience. Donc pour vous, c'est encore autre chose qui vient. Accueillez les nouvelles vibrations actuelles et continuez d'aller plus loin en fait. Acceptez de bouger des choses parce que vous aussi vous continuez d'avancer. Et acceptez aussi de transmettre par vos fréquences. Acceptez aussi de transmettre par vos fréquences. C'est important que je le dise ça. Parce que parmi vous, il y a des gens qui font bah, beaucoup de choses très très bien. Mais vous ne vous autorisez pas assez à transmettre aux autres en termes de fréquences aussi. Au-delà de ce que vous pouvez dire ou faire. Qu'est-ce que vous transmettez en termes de fréquence? Vous voyez, c'est un petit peu, vous avez déjà ancré les choses, mais c'est un petit peu aller plus loin dans la diffusion de vos énergies, d'accord? Pour vraiment soutenir le collectif. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à vous dire? Non, pas vraiment, voyons. Non, j'ai pas l'impression. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle évolution. Et que chacun ben, puisse avancer tranquillement sur son chemin, plein de lumière, et que tout se passe très très bien. Voilà. À bientôt. Ciao.